sa mission et a fait arrêter les malfaiteurs. Quel merveilleux héros! Nous sommes tintinophiles. Nous préférons les aventures de Tintin aux mangas, aux comics et autres BD de science-fiction. Tintin, c'est le reporter le plus connu de la planète. Celui qui punit les méchants, qui va au fond des mers avec un sous-marin, qui rencontre le Yeti de l'Himalaya, qui marche sur la Lune. Quel dommage que ces aventures se soient déjà terminées, voilà des dizaines d'années. Nous aurions tellement voulu ressembler à Tintin tous les deux, ce journaliste un petit peu fumeur qui était en même temps un petit peu détective. Oh, excusez-nous, nous ne sommes pas présentés. Je me nomme Paul X. Et moi, Stan X. Nous sommes frères jumeaux. Vous pensez, Paul, Stan X, voilà deux types bien ordinaires, de parfaits inconnus, des citoyens lambda. Détrompez-vous, si nous nous nommons Paul et Stan X, c'est parce que nous sommes détectives privés. Et que nous souhaitons garder le secret et la discrétion sur les affaires que nous traitons. En ce moment, nous menons une aventure de disparition de bijoux. Comme quand Tintin recherchait les bijoux de la diva Castafiore. Nous, notre enquête est plus modeste. Nous tentons de retrouver l'écrin où... Notre cousine Mathilde a rangé ses bijoux fantaisie. Ouais, c'est notre dernière enquête. Nous avons que ce n'est guère reluisant, mais si on les retrouve, elle nous invitera dans un bon restaurant. C'est toujours ça de prix. Mais je suis sûre qu'un jour, on nous sollicitera pour une super enquête et on parlera des aventures de Paul X les détectives comme celle de Tintin le reporter. Ouais, bon, moi, en attendant, je vais faire un petit somme. Ah, moi aussi, histoire de prendre des forces pour nos futures aventures. Mais je vous demande de rester discret sur notre conversation. Oh, vous savez, Paul et Stan X, c'est la discrétion assurée sur toutes les affaires traitées. Et... Très bien, très bien. Vous avez sans doute entendu parler de Tintin, le reporter Globetrotter. Oui, bien sûr, qui ne connaît pas Tintin. Tout à l'heure encore, nous lisions une de ses aventures et... Tintin a disparu. Quoi? Que voulez-vous dire? Je suis dessinateur et scénariste et avec mon équipe, nous avons eu... Pardon, j'ai eu une idée de génie, je dois le reconnaître. Nous avons décidé de recontacter Tintin pour de nouvelles aventures. De nouvelles aventures de Tintin? Mais quel âge a-t-il? Peu importe, Tintin est jeune éternel. Tout à l'heure encore, il est venu à notre agence pour discuter de ce nouvel album qui aurait été sensationnel, j'en suis certain. Et alors? Il n'était pas emballé par le projet, il nous a dit qu'aujourd'hui, il préférait devenir le héros d'un autre genre de bande dessinée. Nous lui avons répondu que ce n'était pas notre intention, mais que nous réfléchirions à sa proposition. Sans dire un mot, il s'est levé, il est sorti, et depuis, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Je suis à peu près sûre qu'il est allé passer un casting chez chacun de nos plus grands concurrents. C'est pour ça, messieurs X, que je fais appel à vous pour retrouver Tintin dans le monde de la BD. Mais comment pourrions-nous faire? Avec ceci... Qu'est-ce que c'est? Un micro-ordinateur où est programmée toute la liste des gens de bande dessinée où Tintin aurait souhaité briller. Il vous suffit de cliquer sur l'un d'entre eux en indiquant la page, puis vous pénétrerez directement dans le monde de la BD. Merci, j'espère que nous serons nous ensemble. Mais excusez-moi, monsieur, pour nos honoraires. Ah, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. J'ai trouvé. Nous vous offrirons toutes les aventures de Tintin, cela vaut un pesant d'or. Allez, bonne chance et ramenez-nous vite Tintin. Je crois que nous nous sommes encore fait arnaquer pour nos honoraires. Néanmoins, c'est une histoire incroyable. Je crois rêver. Nous devons retrouver Tintin. Mais où est-ce qu'on pourrait le retrouver? En Afrique, en Amérique, au pays des mauviettes? D'après sa liste, il voulait d'abord se rendre dans une BD d'Heroic Fantasy. Alors, je tape Heroic Fantasy, page 23. Ah, ah.